vous donne cette illustration où vous demande c'est quoi comme dessin. Je présume qu'étant un fan de One Piece ou pas, vous allez sûrement me dire que c'est extrait du manga One Piece et que c'est dessiné par Oda. Et que c'est très facile de reconnaître puisque c'est un dessin très distingué. Eh bien, je vous dirai tout simplement non, car ceci a été dessiné par un fan de One Piece. C'est quelqu'un de très talentueux et qui a un style de dessin très proche de celui de Oda. Et donc, cet homme qui se fait appeler Fruta Fresca sur le net a décidé de dessiner un des derniers chapitres du manga. Et je vous dirai juste que c'est épique. Ça lui a pris plus de 6 mois pour finir le chapitre. D'ailleurs, le lien où vous pouvez lire ce chapitre est en description. Mais malheureusement, c'est en anglais. Donc, j'ai décidé dans cette vidéo vous proposer ce chapitre, mais traduit en français par moi-même. Donc j'ai passé pas mal de temps à le traduire, donc j'espère que ça vous plaira.時代は動いている。一理なくもないが。ならばその設計図とやらをまず手に入れてみせろ。話はその先だ。
こいつらまた何かする気だ。ピーチのやつ死んだ親父に何を。 Voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin. Dites-moi ce que vous en pensez de ce chapitre. J'ai vraiment hâte de savoir votre ressenti. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous a plu. Et aussi bien sûr, vous abonner. Et sur ce, je vous dis pour une prochaine vidéo.